Salut à tous, c'est Mister Freeze. Donc on se retrouve pour la suite de Zelda The Minish Cap dans le deuxième donjon. Faut savoir un truc, c'est qu'à la vidéo précédente j'ai oublié un quart de cœur dans le mongongle du coup. Ce qui fait que qu'on va aller le récupérer tout de suite. C'est pas très long. Hein. C'est que du coup. En fait, si vous voulez, il y a un quart de cœur dans le donjon. Et du coup, il va m'en manquer un si je fais pas ça. Donc, il est pas très loin. Alors, c'est où déjà? Bah, c'est là. Voilà. Et en plus, on va prendre ça. Voilà. Voilà, c'est bon. On va remonter. Et pareil, le champignon que je prends là, en disant que c'est n'importe quoi qu'on puisse faire ça, c'est pas la... Je sais pas si vous vous rappelez, à un moment, il y a un champignon pour... qui est en hauteur, et j'ai utilisé le pot pour le choper. C'est un raccourci, hein, c'est pas le vrai... C'est pas le vrai chemin. Le vrai chemin, fallait poser une bombe tout droit pour monter. Et on se retrouvait là où il y avait les blobs en métal, là où je galérais pour les passer. En fait, c'était la sortie du vrai chemin. Je sais pas si je me fais bien comprendre. En gros, voilà, c'est pas normal que ça marche, quoi. Là. On a tout fait. On a plus qu'à faire ça. Voilà, donc du coup, petit contretemps, hein, forcément. Ouais, voilà, je préfère le faire maintenant, parce que si on le fait en sortant du donjon, on aura un cœur de moins contre le boss. Ce sera plus compliqué. Oh, ma mère, pas toi. Voilà, alors le donjon est plus long que le précédent, hein, forcément. C'est pas non plus... C'est pas non plus si long que ça. Voilà, là, on a perdu quoi, hein. On a perdu quelques minutes, quoi. Voilà, de toute façon, tous les passages sont déjà ouverts, donc... J'essaie de faire vite. Et donc c'est parti pour le donjon. Ok, go. Qu'est-ce que je fais? C'était tout seul là. Bon, les balles, ça doit être ça. Le gars, il te dit ça une fois que tu l'as fait, quoi.
Non, ça c'est un faux, hein. Faut faire gaffe, il bouffe les boucliers. Je sais pas si vous avez eu le temps de le voir. Donc eux, les bombes, hein, faut les taper deux fois. Une fois pour les allumer, et une fois pour les calmer, comme ça. Ouais, ça c'est marrant. Regardez la vitesse du truc. C'est des délires. Ça tue les ennemis en plus. Ah, bombe. Je sais pas par où c'est. Bah voilà. Je sais pas si on peut prendre. Non. C'était bien là, du coup. Oui, d'accord. Bon, est-ce que ça, ça peut s'enlever avec le pot? Yes. Le coffre. Oula. Oh le con. Putain. C'est vrai que ça fait une petite poussée à la fin. Du coup, faire gaffe. Putain, me fait avoir deux fois de suite. Bon, alors eux, on peut les balancer dans les trous. Là, ça sert à rien.
Ok. C'est pour aller où? Ah oui, d'accord. Faut aller à droite? Ah oui, d'accord. Droite, 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 droite. Monte. Tiens. On est déjà allé là. Ah. Mais merde, j'ai dû oublier un truc, non? Non? Ah non, c'est bon. Ça, on peut pas le faire encore. Voilà, on a un cœur de plus. Je parle pas beaucoup hein, parce que je suis concentré. Mini boss, ouais. Voilà, je vais attendre un peu. En fait, il suffit de taper comme un con sans bouger. Ils se font avoir quand ils nous sautent dessus. Voilà, le bâton sauteur, ça sert à ça. Voilà, et on peut l'utiliser pour sauter comme ça aussi. Alors c'est quoi ça? C'est pour entrer du donjon, ouais, logique. Je plains, intérêt là. Ok. Ah bah oui, je suis con. Non, c'est pas là.
De même tout seul. Est-ce que j'ai oublié un truc? J'ai une clé. J'avais pas tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un truc par là que j'ai oublié? Voilà. On va peut-être dû retourner au début en fait. Ouais, ça doit être ça. Ouais, on va faire ça. Non, attendez. Ah bah voilà. Cette blague, ça nous bloque. Sérieux. Bah du coup, je suis obligé de... Les énigmes assez sympa quand même. Hein, ah, il nous voit pas. Hein. Parce qu'on est trop petit. Ok. Quand je galère. Putain, mais ils sont chiants. Voilà. C'est un enculé le... architecte de ce donjon. T'as mis des pièges partout. Là. Ok. Bizarre. Ah oui, d'accord. Ah, mais à la moitié des coffres, c'est des trucs inutiles. Ouais. C'est tombé depuis en haut. On va faire ça. J'ai un doute. Mais je sais pas comment on peut aller là-haut. Attends. Mais oui, putain.
Je suis un boulet. Je pensais qu'il fallait tomber d'au-dessus là, mais en fait, non. Ok. Ils sont vraiment intéressants les blondes, ces Zelda. Je les trouve largement supérieurs à ceux des autres Game Boy. Ouais, ça va être compliqué aussi. Quel boss là. Ah merde. Je suis allé trop tôt. Faut y aller que quand il se retourne. Putain. C'est chaud. Pas le cas de le dire. Ok. Ah, est-ce qu'il faut que j'aille d'abord là ou d'abord là? On va essayer là. Ouais, mais si je vais là, après je pourrais pas retourner en arrière. On va d'abord aller là. Oula, c'est quoi cette saloperie? Putain, mais c'est là. Bon, il fallait bien aller là en premier. Je sais pas trop comment esquiver ces trucs. Pas grave, ça fait pas très mal. Ah, tout ça pour la clé du boss. Elle est bien, bien cachée. Oh, elle est où là? Alors c'est où? Par là? C'est pour ça que c'est bien important d'avoir la grande bourse avant de venir là quand même. Je peux le faire depuis le début si je tirais là-dedans. Ouais, c'est bizarre. Go. Enfin, le truc en vol là, on peut l'annuler quand on veut. Merde, c'était pas là. Ah le con. Faut tout refaire. Je suis un boulet. Un trou pour la tornade aussi. Merde, j'ai oublié. Putain, mais je suis un gros con. J'ai oublié ça et le truc en haut aussi.
Putain, mais wow! J'ai un problème dans ma tête, hein. J'oublie deux fois le truc, quoi. Hop. Non, en fait, les tornades, elles apparaissent qu'une fois qu'on est allé dedans, une fois. C'est un peu bizarre. Voilà. Il ouais, fallait au moins dans une tornade avant que l'autre apparaisse. Donc voilà, du coup j'ai... Ouais, faut tout que je refasse. Faut pas que je me trompe cette fois. L'important c'est pas si dur. Hein. Mais... trompe de touche. Putain, mais je comprends pas, c'est pas là qu'il y a la clé du boss, normalement. Ah ouais, d'accord, c'est à l'ouest de la salle, en fait. J'ai trop l'impression que c'était... qu'on était au bon endroit, déjà. Ok. Bah parfait. Bah du coup, est-ce que j'ai loupé des coffres? Non, j'ai tout. Bon bah c'est bon. Bah c'est parti pour le boss. On va faire une petite sauvegarde au cas où. On se fasse défoncer. Bon bah la vidéo fera 30 minutes, tant pis. Du coup... Très bon, hein, vu que mon... j'avais oublié mon quart de cœur aussi. Voilà, donc boss un peu plus dur que le précédent. Est-ce que j'ai encore... Ouais, j'ai encore ma fée, donc c'est parti. Non, je me rappelle plus trop, je crois qu'il faut le retourner simplement. Et je crois qu'il faut aller dans son dos. Putain, le salaud. Oh le con. Il faut faire que ça. Bon là normalement je devrais en profiter pour enlever le truc. Voilà, faut bien se mettre sur les bords, je pense comme ça. Oh merde, il est... Il est invincible? Ah ouais. Il y a des moments où il est invincible. Ouais, après, bon, une fois qu'on a compris comment faut faire, pas particulièrement dur. On peut récupérer des cœurs des fois dans les flammes là. En les bouffant avec le...
En fait, il est con parce qu'avec cette attaque, il est plus lent. Voilà. Bah, je me suis presque pas fait toucher, ça va. Voilà, on a déjà 7 coeurs. Ouais, 7 coeurs. Voilà, donc là on va retourner voir Melta qui est en train de forger l'épée. Enfin, de réparer l'épée, on va dire. La reforger. Enfin, je sais pas comment on dit, on s'en fout. Et du coup, bah, on va retourner le voir à la prochaine vidéo. Allez, salut!